noir, Stade Toulousain. C'est dans cette usine que Playmovin a son petit endroit de stockage pour leurs fauteuils. Ceux-là sont rouges et noirs, comme le Stade Toulousain. Une fierté pour Playmovin que le champion d'Europe de rugby fasse appel à eux. Les grosses entreprises font ça, les gros clubs vont le faire. Le premier qui le fait, c'est le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, c'est un petit club dedans. Ils donnent les moyens, ils aident des assos, ils aident des machins. Ils achètent des mes fauteuils, par exemple, et ils vont les utiliser dans tous les collèges de Toulouse, de leur académie de rugby. Direction Toulouse. La commande est pour demain. Aujourd'hui, c'est la préparation où il faut mettre les 20 fauteuils et les 40 roues dans le coffre du camion. C'est noir, Stade Toulousain. Une fois arrivé à Toulouse, Sébastien Passemard fait la rencontre des bénévoles du Stade Toulousain Handisport et de certains des joueurs de l'équipe de quad rugby comme Pablo Newman. Il est aussi président du Stade Toulousain Handisport, impliqué depuis des années dans ce milieu. Pour lui, c'est une étape supplémentaire vers leur sensibilisation aux handicaps. Nous, on mène beaucoup d'actions de sensibilisation en parallèle en fait, du projet sportif du club, donc projet sportif, compétitif, de performance. On a tout un programme d'action sociale avec plein d'actions qu'on mène d'une part en partie auprès des personnes handicapées et d'autre part auprès du grand public. Changer le regard sur l'handicap et favoriser l'accès au sport pour tous, c'est l'objectif clair du club. Et après quelques mois de tests sur un des fauteuils Kids Movin, le Stade Toulousain Handisport décide de passer le cap et de faire appel à Playmovin. Il fallait juste 2-3 tutoriels sur place pour savoir comment ils fonctionnent, comment on s'en occupe et comment on les stocke. C'est des actions de sensibilisation en fait. L'idée c'est d'utiliser en fait le handisport pour parler de handicap, transmettre des messages en fait sur le handicap et parler de handicap de façon un petit peu différente. Et on intervient beaucoup en milieu scolaire, extrascolaire, périscolaire, auprès d'associations, tout ça. Jusqu'à maintenant, on le faisait avec nos fauteuils de sport, qui sont des fauteuils très lourds, pas adaptés à la morphologie des gamins, compliqués à manipuler, etc. Le produit de Playmovin, pour nous, c'était vraiment idéal pour toutes ces actions qu'on a amenées. Après le montage des fauteuils, Sébastien Passemard et le Stade Toulousain discutent de l'avenir du handisport et des activités loisirs pour les plus jeunes. Un avenir encore flou, mais qui commence à s'éclaircir. Après un club privé, Sébastien Passemard reprend la route pour rencontrer un comité départemental handisport. À Albi, rencontrer le comité départemental handisport 81. C'est parti!